check en ce moment? C'est un océan. Ça en jette, hein? Et en plus de ça, une fois qu'on aura construit l'engin et sauvé la dimension, tu auras tout un univers à explorer. Tu n'as donc jamais peur de l'avenir? Et de toutes ces inconnues? Si, ça m'arrive de... Oh. Sur Savali, tu m'as demandé si je voulais retrouver ma famille. Ça a été le cas, pendant un moment. Je voulais vraiment les retrouver. Mais plus je me rapprochais de mon but, ils ne sont peut-être pas comme je les imagine. Ou alors, c'est moi qui suis différent de ce qu'ils imaginent. C'est juste... Enfin bref. Je crois qu'on arrive. La station Kedaro est le centre de recherche secret où se trouve la seule forge à rubion assez puissante pour fabriquer le dimensionnateur. Si je comprends bien, on n'a pas droit à l'erreur. C'est bon à savoir. Loué soit l'empereur! Notre ration de cubes de protéines est arrivée! Je l'ai dans mon... L'ascenseur descend. Eh ben, j'espère que c'est pas le seul moyen d'entrer dans la station. Par l'entrée principale avec ce verrouillage. Explorons les environs. Il y a forcément une autre entrée. Oui.
Offre-toi une amélioration. Tu le mérites. N'oublie pas de parler de moi à tes amis. Oh, on dirait du blison. Un élément permettant de stocker de l'énergie. Mais, ici aussi, violet, je le savais. Le blison a dû absorber l'excédent d'énergie libéré par le chaos dimensionnel. Nous avons basculé dans une autre dimension. Une dimension abandonnée à ce bois. L'ascenseur est là. Tu sais, Ratchet, moi non plus, je n'ai jamais rencontré ma famille. Sauf si on compte l'empereur, bien sûr. Mais dans ce cas, je doute qu'on puisse faire pire. T'as sûrement raison. Mais même si les Lombax sont la meilleure famille de l'univers, ce qui m'embête, c'est que je risque malgré tout de les décevoir. Toi ? Mais tu es un héros. C'est vrai que j'ai réussi à vaincre deux ou trois méchants, mais eux, ils ont inventé tellement de trucs incroyables. Tu te sous-estimes, Ratchet. Je sais pas, peut-être. Mais j'ai une super vie dans ma dimension, Kit, et je voudrais surtout pas la perdre. Maintenant que j'y pense, si la station Kedaro existe dans cette dimension, ça veut dire qu'on trouvera aussi la forge à Rubion, non? C'est possible. Mais tout est délabré ici. Elle ne fonctionnera peut-être pas. Mais si on trouvait un autre cristal de blison, on pourrait retourner dans l'autre dimension. Une amibe ? Ouais.
amis. Oh non. Ne les laisse pas me manger. Continue à tirer. Elles vont nous submerger. Verrouillé. Allez, on continue. Pardon. Je me suis trompé de cible. C'est drôle, non? Est-ce qu'il va bien? Moi, c'est Ratchet. Oh, c'est merveilleux. Bonjour, Ratchet. Est-ce que tu me cherchais? Ce serait tellement super. Je peux t'appeler Chet. Non. Et... non. En fait, je cherche du blison. Oh, moi, je sais où aller. Mais j'ai perdu mon bras d'accès dans toute cette eau. Il faudrait pomper. Mais comment, Ratch? Comment? Calme-toi. Je vais m'en occuper. Vu le risque d'inondation, ils ont sûrement placé les commandes de pompage en hauteur. En fait, Ratcho, tu t'as pas demandé, mais je m'appelle Rico. Bonjour. Salut, Kit. Et pourquoi est-ce que vous cherchez du blison? On essaie d'entrer dans une autre dimension pour utiliser la forge à rubion. Mais on en a une ici. Sauf qu'elle ne fonctionne plus depuis longtemps. Elle produisait des carrés vraiment marrants. Alors, ce bras d'accès est une sorte de clé? Partout, tu entends un moyen de trouver facilement sur des boutons. Alors oui. Quoi? Du blison? Il y a un ascenseur droit devant qui va nous conduire à ces cristaux lumineux délicieusement ravissants. Il essaie de te tuer? Devenez ami avec lui, vous pourrez peut-être faire des bonbons, ou voltouner, ou voltidia. C'est super, ça, ça claque, hein, comme chanson. Oui.
servir de ce bon vieux bras d'accès pour appuyer sur le bouton. Non, non, mon bras d'accès, il ne fonctionne plus. C'est un bras tout court. C'est sûrement un cauchemar. Ah, mais non, c'est une panne de courant. Ok, on s'en charge, Brico. D'accord, moi je reste ici et je vous regarde faire. Hé, les amis, c'est plutôt si... Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Il est un peu... excentrique. Ah, les amis vous ont retrouvé. Elles ont faim. De se balader dans la station, tranquille. Mais là, il a vraiment l'air de te pourchasser. Je suis trop jaloux. Nous y voilà. Mon blison préféré de toute la station. Oh, j'adore comme il se met à briller après 6 heures passées à l'admirer. Je crois que le moment est venu de se dire au revoir. Merci du coup de main, Brico. Tout le plaisir a été pour moi, Rara et Kitty. D'une autre dimension ? C'est ça, très drôle. Dites à Georges Godwin de surveiller ses arrières. La forge à Rubion se trouve droit devant. Qu'est-ce que vous faites ici ? Non. Alors, vous allez trouver ça drôle ? Je ne te parle pas à toi. C'est à moi que vous parlez. Les accès sont verrouillés. Comment vous et votre monture êtes-vous entrés? Je suis venue inspecter cet endroit pour voir s'il est bien blanc et orange. Parce que je suis décoratrice d'intérieur de première classe. Et notre empereur voulait que je redécore tout pour vous faire une surprise à vous et à votre équipe. Mais voilà,
Vous avez tout gâché. Jamais je ne ferai une telle chose à l'empereur. Soyez les bienvenus. Je vais immédiatement effacer mes bandes de mémoire. Bien joué. Quitte la décoratrice. Et maintenant, on fait quoi? Nous pourrions discuter avec les chercheurs pour ne pas éveiller les soupçons. Ou nous diriger vers les communes de la forge pour fabriquer le dimensionnateur. On dirait que les commandes de la forge sont sur cette plateforme. Là! J'ai transféré les plans. Voyons un peu. Ah ah. Je vois. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr. Vous avez démarré la forge en mode auxiliaire? Le bouton de l'alimentation principale était juste là! Ah! C'est un test de résistance! Voyons ça! Oui, tout se détraque normalement! Ils sont le camp avant que... Je suppose qu'elle manquait de puissance, mais l'autre bouton ne m'inspirait pas confiance. Je pensais que tu savais ce que tu faisais. Tu vas à l'instant. Il y a des gardes partout. Il faut qu'on file en vitesse. Et le dimensionnateur alors? On trouvera une solution. D'autres à notre housse. Il faut qu'on s'échappe au plus vite. Si nous utilisions le blison. Bonne idée. Là, tout de suite, je préfère encore une dimension pleine de monstres. Ça va compter comme une pause, parce qu'il m'en reste plus.
J'espère qu'on sera tranquille maintenant. Qu'allons-nous faire? C'était la seule forge à Rubion en mesure de fabriquer le dimensionnateur. Il en reste une dans cette dimension. On réussira peut-être à la redémarrer. C'est très bizarre, mais... Ce cadeau ne me rassure pas vraiment. Tu saurais comment faire pour redémarrer la forge à Rubion? Il y a déjà le problème de l'alimentation. Et puis un vilain virus a profité de la coupure énergétique pour s'introduire dans le système. Il faudra d'abord s'en débarrasser. J'ai justement une amie qui pourra nous donner un coup de main. Allez, à toi de jouer, Glitch.
tourne pas. Qu'est-ce que c'est ? Un virus ? Il faut absolument les arrêter avant qu'ils évoluent encore plus. Mais ici, tout va bien. Le diagnostic de la forge à Rubion est impeccable. À ton tour de jouer, Ratchet. Je savais que je pouvais compter sur toi, Glitch. Bien joué, Ratchou. Tout est prêt pour redémarrer la forge. Et comment on s'y prend ? En trouvant sa source d'énergie. Je l'ai vu pour la dernière fois au niveau inférieur, derrière la forge. La forge est sûrement alimentée depuis cette salle. Mais je ne vois rien. Rico se serait-il moqué de nous ? Je ne sais pas, mais si la source d'énergie a disparu, on n'a qu'à récupérer celle de l'autre dimension. Là où la station entière est à nos trousses. Pour l'instant, j'ai pas mieux à proposer. Bien, allons trouver du blison. Qu'est-ce que c'est ? Mes armes lui font mis sur l'histoire. Arrête de tirer et cours. Jamais de fuir. Tu sais, l'idée de retourner dans la dimension où toute la station est à nos trousses me plaît de plus en plus. Au moins, il y a de la lumière là-bas. C'est quoi ce bruit ? Ne restons pas là. Ratchet, je ne vois du blison nulle part. Le seul endroit où nous n'avons pas regardé, c'est derrière cette porte blindée. Mais elle semble verrouillée. Et si on suivait ces câbles au-dessus de nous, on pourrait peut-être désactiver les verrous. Je pense que tu as raison. Cette fois. Au boulot qui commande ce verrou. J'imagine qu'ils n'ont jamais pris le temps de rénover cette salle. Il ne nous a pas vus. Pour l'instant. Cours !
est arrivé aussi vite? Il y a des conduits partout. Menace organique détectée. Ouais. Des amibes. Vient de s'allumer. Pouvons-nous l'examiner? Verrou principal désactivé. Porte blindée déverrouillée. C'est votre problème, pas le mien. Conseil sur la lecture du journal de recherche. Je n'ai pas réussi, je te dis. Bon, regardez derrière les essais. Je viens de le voir passer et. Ah, ah, vous le voyez? Comment faut-il pour nager aussi? Oh, est-ce que c'est un bonjour? Attendez. Je crois qu'il parlait de Bolt. Sors d'ici! O2 fonctionne encore. Ça fait des années que je l'avais pas utilisé. Ratchet, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit tout à l'heure au sujet des Lombax et des risques à prendre ou non. Je menais une belle vie sur Savali. C'était calme, tranquille, joyeux même. Alors quand tu m'as demandé de devenir ta partenaire, j'ai pris le risque de tout perdre. Et je suis heureuse de l'avoir fait. Merci. Ça me touche énormément. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment... Ne t'en fais pas. J'aurai confiance en toi. Pour nous deux.
nouvelles armes, profitez d'une offre aquatique spéciale. Madame Zurko, qu'est-ce que vous faites là? Mini Zurko rêve de faire des études d'économie existentielle à l'université de Beaucon. Je m'assure de pouvoir régler ses frais de scolarité. Je sais que cette amélioration va te plaire. Pas de cellule ouverte. Il y a un champ magnétique plus fort ici. La source d'énergie doit se trouver tout près. Impossible ! Ces décorateurs ! Décorateurs ! On va leur redécorer le portrait ! Subir. Je comprends qu'il soit si en colère. Mais on ne te veut pas de mal, mon grand. C'est un sifflement de joie ou de colère? Il faut capturer la source d'énergie. Et je ne vais pas avoir de temps d'espoir aujourd'hui. Il nous aide là? Oui, il nous aide. Soulager.
paquet. C'est l'artillerie méga lourde. Volt, tu ne connaîtrais pas un autre moyen d'alimenter la forge à Rubion par hasard? Est-ce qu'il veut qu'on le suive? Des bisons! Il veut nous accompagner. On sera mieux là-bas qu'ici. Il nous aidera peut-être à faire fonctionner la forge. À l'étage. Voyons, Volti, c'est moi, ce bon vieux Bricky. À nos nouveaux amis. Bon, je crois qu'on n'a plus qu'à retourner au vaisseau maintenant. Merci. Tu peux compter sur nous, Bricolo. Et nous avons récupéré le quartz phasique. Ouais, rejoins-nous chez Urki qu'on puisse attendre ce truc. Oh, comment pourrais-je rencontrer qui que ce soit? De quoi est-ce que tu parles? Tu m'as rencontré moi et tout s'est bien passé. Je suis tombée des archives juste devant toi et j'ai hurlé très fort. C'est vrai. Bah, je sais pas, essaie d'être sympa et avenante. N'y pense pas trop. Ne pas trop y penser. D'accord.
L'heure est venue de réparer les dimensions. Je me demande ce que fait Rivette. Salut Ratchet, moi c'est Rivette. Rivette, pour y être. Qu'est-ce que tu fais? Rien, pourquoi? Je me demandais juste comment on allait fabriquer le dimensionnateur et sauver les univers. Serais-tu nerveuse à l'idée de rencontrer Ratchet? Quoi? Ouais, un peu. Il est très gentil, je te le promets. Et une fois que nous aurons fabriqué le dimensionnateur, il nous aidera à trouver le docteur Nefarious. Ouais. Notre aventure touche à sa fin, Boulon. Toi, Ratchet et le docteur Nefarious, vous serez bientôt de retour dans votre propre dimension. Qu'est-ce qui... Oh, salut. Salut. Oui, bonjour. Et voici Clank. Oh, ton bras. Je vais bien, Ratchet. À vrai dire, je commence à apprécier ce nouveau look. Je précise que je l'ai trouvé comme ça. Oh, t'inquiète, je sais que tu ne lui ferais pas de mal. Tu es mon double dimensionnel, après tout. Attends. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi qui es mon double? Oh, bah, ça me paraît évident. Aucun argument, hein? Non, aucun. désolé, Rivette, je te présente... Kit! J'étais impatiente de faire ta connaissance. Moi aussi. Euh...
Je suppose qu'il est temps de réparer ce chaos. Ça te dirait de... Décidément, tout me réussit dans cette dimension. La solution à mes problèmes arrive toute seule jusqu'à moi. Tu l'as battu combien de fois, ce type? Pas assez, faut croire. Tu peux essayer? Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que vous pas une menace. Ah, vous allez voir. Je suis votre empereur, plus formidable et plus puissant que jamais.
fatal insolent. Waouh, ça c'est un combat. Le spectacle est terminé. Allez, applaudissez fort Rivette pour sa première victoire. J'aurais tellement aimé arriver ici plus tôt. Mais passons, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fini de neutraliser mes ennemis. À l'exception du Capitaine Quantum et de... Enfin bref, quand j'ai entendu dire que la Lombax rebelle se battait contre moi, je me devais de... Venir voir l'univers entier célébrer votre défaite. Qui célèbre ma défaite? Parle de... Non, non Attendez, je combats des rebelles depuis des années. Je peux vous aider à les anéantir. Ah, mon... fan bizarre désire m'aider. Voilà qui est tentant. Et si nous augmentions les enjeux avec un match à domicile? Il se rend sur Sargasso. Il faut que j'y arrive avant lui. On vient avec toi. Ratchet, nous devons trouver Quantum. C'est le dernier rebelle de la liste. Allez sur Ardolis et trouvez Pierre. Il saura où il est. Avant d'aller affronter l'Empereur, nous devrions nous procurer un maximum de ressources. T'as raison. C'est sûrement plus sage de faire un saut à l'arène avant de partir.